Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour The Witcher 3. Bonjour chérie, comment vas-tu? Merde, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Quoi? Y'a des gens à buter? Où y'a des gens? Des gens! Oh non, ils sont sous. On veut pas les chercher. Flemme. Bonjour, je prends votre rat de vide. En fait, je vais bien. Cette fois, ce sera une autre paire de bras. Oh là là. Vous avez convié des amis. Eux aussi, ils ont juré de défendre l'honneur de Damoiselle Myrtille. Ouais, tu l'as eu depuis dimanche, ils défendent la justice, car il est juste et bon que vous affrontiez un quintet. Comment ça? Vous êtes un filou, monsieur. Oh, ben ça prend peut-être un peu de temps, Odel. Le DL va prendre un peu de temps. Il suffisait de demander. Mais puisque vous y tenez tant, battons-nous. Les dernières paroles. Il est où l'autre là? Il a fui! Le lâche! Reviens là! Mais ils ont voulu se battre. Bon, j'ai déjà des L. Dead by... Dans cette tête. Dead by dead. Salut Yorel. Non, je suis pas encore morte. Hein, ça change d'habitude. Tu m'énerves, petit téléphone, aujourd'hui. Je vais rager contre mon téléphone, je vous préviens. J'arrête pas de... Voilà, c'est Dead by Daylight. Comment vas-tu, Yorel? Retour. Bon, ça me change pas, faut que j'aille voir... Hey, Blanchet, par ici. Tu m'as appelé Blanchette. C'est pourquoi? On a un problème, maître sorceleur. Oui, faut pas. Un gars à nous est touché, pas moyen de le retrouver. Le pauvre gars risque de saigner à mort. Vous qui pistez les monstres, vous pourriez remonter la trace de notre ami. Oui, je l'ai tué, fallait pas. Oh! Un petit détour n'a jamais tué personne. Passez devant, maître sorceleur, et faites aussi vite que possible. Le pauvre a besoin d'aide. J'ai besoin d'un début de piste. Un indice? Ouais, il a couru vers le port. Il sortait des égouts. Des égouts? Ça devrait être une piste facile. Ça n'a pas de conséquences, mais il y avait moyen de lui balancer un maxi pour que... Oui, bah oui, oui, je sais. Mais je... Oh, je suis trop chargée. J'avais pas envie de lui mettre un maxi dans la pomme, en fait. C'est tout. Putain, je suis trop chargée, ça m'énerve. Mais... Attends, mais comment ça se fait que je sois trop chargée à ce point-là? J'ai quasiment rien. Mais comment ça se fait que je sois autant chargé? Mais quand même une mule, hein?
Un 6, 2, 8. Ben attends. Ouais, bon, quasiment 3. 3 et 2. 5. 5 et 8. Ouais, bah. Oh putain. C'est une armure lourde? Non, c'est une intermédiaire. Oh, je comprends pas pourquoi je suis blindée comme ça. Ah, peut-être, ouais. J'ai pas pensé à ça. Carte du monde. C'est possible. Toi, t'as fait du rugby, t'as les oreilles en chou-fleur. D'accord. Qu'as-tu à me proposer ? Des accessoires magiques. Ingrédients d'alchimie, potions et tout. Intéressant. Tu ne ressembles pas à... Ah bah j'ai 8000, c'est bon. Montre-moi ce que tu as. Rien que des objets. Le Halfling, ah. Que voulait-il ? Et pourquoi est-il parti comme un voleur en nous voyant arriver ? Il a oublié sa soupe sur le feu. C'est toi qui risques de finir sur le feu, gros malin. Jeté à l'œil. Allons-y. Je viens de me faire avoir. Je voulais voir un marchand. C'est barré. Je voulais juste faire de la vente, quoi. Fais-tu ? Oh, qui c'est qui me raide ? Il y a quelqu'un qui a fait un assaut. Mais chez qui ? Je sais pas. Merci la personne qui a raidé. Karasaki. S'il y a eu un raid. Ah bah c'est papy. Merci mon papy chéri. À ton avis, l'homme de ta vie. Oui. Bon, je peux te vendre des items là ou t'as fait tout barrer. Ne pas m'avoir dénoncé. Et pour ça, mon pote, je suis disposé à te faire une ristourne. Moi, je veux juste vendre des trucs, là. Oui, d'accord. Je veux juste vider mon stuff, là. Trop de trucs. Je te trompe avec une dame aux cheveux violets. Bonjour, Rosie. Comment vas-tu? Bienvenue. Charlie le muet. N'est plus muet. Non, et c'est bon, je l'ai déballé. Faut que je vide mon bordel. Ah ouais. Comment on fait? Trier. R3. Bon, j'aurais promis des nichons, donc fais quelque chose. Ah bah ouais, on va essayer de trouver des jolies filles, hein. Ah oh bah oui. Ah bah tu m'étonnes. Pourquoi Barip? Ah là 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 là.
On va voir ce qu'on peut faire pour vous. Team Puppy Boobs. alors, vous voulez voir une jolie fille? Bonjour Fabs TV, bon, bienvenue. Bonjour. Mamma mia. Historien Yurel, est-ce qu'il y a des jolies filles qui traînent dans le coin? Est-ce qu'ils veulent des boobs? Alors on va leur donner des boobs. Vous aurez bien proposé les boobs de Moxie, mais j'ai pas mon binôme là dans le coin. Tu peux faire voir la liste. Ah ouais, si tu veux. Alors, nous avons... On a... Ça... Gwen... tu veux peut-être la quête principale aussi. Maison hantée, Gwent, de la grande ville, Gwent pas sortie de l'auberge, œil pour œil, les points sur l'i, dans la cour des grands, l'honneur des voleurs. Siri! Ouais, mais Siri a des sketchs. L'ennemi numéro 1 de la Redania, un jeu dangereux, jeu de nain, jeu de vilain, ouais. La conjuration, enfin, je le fais. Ah, c'est ça que je devais faire. La cause de Nirasme Vegelboot. Petite rousse. Intéressant, petite rousse. Mais c'est Patrice. Livrer un livre de couverture. Donc c'est message d'une vieille connaissance. Dieu multiple. Ma mère peut en cacher un autre. Ah, une Vic. Trouver Nidas. Une perle noire. Bah, si tu fais la conjuration, tu vas passer devant le passiflore des gens de petite vertu. Bah tiens, on va la faire. La rousse? Oui, c'est triste la rousse. Alors, on va faire avec... c'est rejoindre machin chez le passiflore. Passiflore, passiflore. Non, c'est pas celui-là. Ah, Philippa. Ah, conjuration. Ah oui, Triss, elle est rousse. Mais Yennefer est toujours aussi belle, ça change pas. J'aime toujours autant Yennefer. Oh oh. Passage, la quête principale, demande à la sketch, donc tant qu'à faire, fais tout ce que tu veux faire, à Félène, les grands dans le... Oui, c'est ce que je dois faire. Je sais pas ce qui s'est passé, non. Mais... Idiot comme Planck. Le sorceleur a tout faux. Quoi? Ah, merde! Ah, peut-être. Non, elle est partie pour la contrée du Nord. J'ai oublié de couper internet sur la console. Ouh. Les joies. Espèce de gros porc. Allez. Ouais, tant pis. Bonjour mesdames. Viewers, je vous présente les filles. Les filles, les viewers, les filles. Salutations, mon mignon.
dirait une plébéante. Oh non, et toi, t'es une nonne. Oh. Pas abusé non plus, hein. Non. Du palais, où je vous dénonce au chasseur. Je suppose. Le violet vous va pas très bien, notre madame. Et bonne journée. Il paraît que c'est pas sa fille. Qui c'est ? T'as un souci, Playboy ? Ah, c'était une vraie bonne. Oh ! Bah, ça se voyait que tu voulais lui toucher les boobs à elle, hein. C'était juste filer un coup de main. Encore vous. T'as vu, t'as envie de la relooker là, je te vois, je te pousse, hein. Je fais un coup de main encore. Je meurs en tous les cas. C'est la choppiste, oh. Ouais, c'est ce que je viens de me rendre compte. Mais il fallait que je montre les jolis défis aux viewers. Mais la preuve, ils s'en vont tous. Je suis à deux doigts de pouvoir prendre. Il veut même pas voir les bobs des courtisanes. Oh. C'est pas des vrais boobs. Ok, bon. Loup blanc, bienvenue au Pacifique. Oh, tes yeux jaunes ne me remettent pas. Salutations. Te mine pas. J'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre. Dernière rencontre qui était... Ah, il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jasquier et deux Alflas. Le sacré numéro, ces deux-là. Cette nuit est restée dans les mémoires. Oui, désolé, je suis venu pour... Parle moins fort. Je sais pertinemment pourquoi tu es là. Tu es attendu. Par ici. Et ça, c'est pas des vrais seins. Ah, ça, c'est pas des boobs, hein, faut me dire, hein. La demoiselle, elle est en train de prendre son bain, hein. Je crois qu'elle a froid aussi. Je pensais que je peux la réchauffer. Madame, je réchauffe vos dents. Attention. Hein? Ça va, mon lapin? Mais madame, je voulais pas vous faire peur, je voulais réchauffer le bain de la dame. Oh là là, au revoir, madame. Oh là là. Je vois rien. Vous voyez quelque chose, vous? Non, pas la taper, pas la taper. Voilà. La madame, elle est debout. Tu te
trouvera pas mieux de la Yaruga, on dira. C'était marrant. Merci Fabs Gaming du follow. Bah non, mais c'est bon là, t'as la jolie fille, c'est bon, on peut sortir du bain. Non mais je vais sortir, moi. Un problème avec le triangle. Le triangle, c'est pour sauter, pour d'autres jeux. Vous êtes d'accord avec les règles ? Je sais que vous êtes vraiment rien. Gérald, le sorceleur ? Montez, le chef vous attend. Non, tu veux toujours pas de jolie fille ? Non, toujours pas, des boobs, non. Bon. Ah, Gérald, te voilà. Drôle d'endroit pour préparer un assassinat. Qu'avons-nous à craindre ? La moitié de la ville en rêve, non ? Ouais, peut-être, je sais pas, s'ils sont sages. C'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre. Après tout, c'est ici que Falca a planifié sa révolte. Et par extension, l'assassinat du roi Vridank. Te compare à Falca, la même Falca qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la Redania. Sa rébellion a changé la face du monde, voilà ce que nous avons en commun. Pour ce qui est du sang, seul celui de Radovid nous intéresse. En tout cas, je suis content que ce soit des nôtres. Je n'étais pas certain que tu acceptes. Bon, bah, tu crois que j'ai pas le choix ? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Tant que Radovid vivra, Triss et Yen ne seront jamais en sécurité. Oui, c'est peu de le dire. Je suis heureux de voir que tu as fini par entendre raison. Bien, passons aux choses sérieuses. Tu connais mon associé, je crois. Roche, qu'est-ce que tu fais ici ? Comme tu le vois, j'ai rejoint le club des espoirs à retraite. Tu défendais un roi, autrefois. Et aujourd'hui, tu veux en assassiner un ? Pas de Gaelic. Je n'ai pas trouvé de meilleure option. Radovid ne sert que ses propres intérêts. Quand Kedwen a demandé son aide, il a envahi le royaume. Quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de Bizima, il m'a mis à la porte. La fin de la guerre est proche. Le moment est décisif. Nous devons agir vite. Je ne me fais pas d'illusions. Pour que la Téméria soit libre, Radovid doit mourir. Que m'a-t-il ? Je ne comprends pas. Bon, bref. Radovid est l'allié de la Téméria, non ? Oui, tant que mes hommes agiront dans son intérêt et celui de ses troupes. Mais s'il gagne la guerre, il ne reconnaîtra pas pour autant nos frontières. Il rêve d'un grand empire nordien. Aussi longtemps qu'il vivra, la Téméria ne sera pas libre. Mais nous ne t'avons pas fait venir ici pour discuter de politique. Radovid est une menace pour Triss et Yennefer, ne l'oublie pas. Bah, c'est la console, mais j'ai que mes CD. Très bien. Qu'attendez-vous de moi ? L'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur. Mais il n'est jamais reparu. La réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre. Nous devons le retrouver. Et je ne connais pas meilleur limier que toi. Un limier, hein ? Vous pouvez m'en dire plus ? Où a-t-il été vu pour la dernière fois ? C'est un cordonnier itinérant, ou plutôt sous sa couverture. Il devait traverser le Pontard en passant par le point de contrôle rédanien. Nous avons un homme là-bas qui devrait pouvoir t'en dire plus. Un certain Grégor. Vous avez enrôlé un soldat rédanien dans votre pays pour assassiner le roi de Rédania. Qu'est-ce que je te disais ? Même les Rédaniens ne supportent plus la politique de Radovid. Quand même les simples soldats s'aperçoivent que les choses vont mal, c'est qu'il est temps d'agir. Moi, c'est bon, je vais le trouver. D'accord, je vais aller voir ce Grégor. Pas de panique. Merci. Et si possible, essaie d'être discret. L'avenir de la Téméria, l'avenir de tout le Nord dépend de la réussite de cette mission. Ne l'oublie pas. Compris. Je vais essayer de ne pas tout faire foirer. Plus tard. C'est exactement ce qu'il faut me dire.
Je vais essayer de pas tout faire foirer. Seulement, j'ai le chèque pour tout faire foirer. Bon. Personne. À part la marque de sérénité de ton arbre. Quelqu'un dans la rue, je veux dire. Non, personne. Moi, tu me ramènes un petit peu dans la console, ma soeur. Je suis pas nerveux, seulement prudent. Ok, bon. Bref, bon. Oh. Je suis prudent. J'ai fait des tours et des détours pour vérifier que je suis pas sûr. Non, c'est pas celui-là, je voulais. Celui-là. Je travaille dans le renseignement depuis aussi longtemps. Bref. Coco, pouvoir ranger. Mais oh, ok, bon, c'est bon. On garde éteindre. Mmh. Madame, est-ce que vous voulez que je vous peigne les cheveux ou je vous les fasse. Je vous les lisse avec mes petites flammes? Non, toujours pas. Bon, bah, voilà. Ouais. Putain, mais. Tiens-toi tranquille. Bon, faut savoir là, le GPS. Droite, gauche. Non mais je vous dis que madame, le violet vous va pas autant. Hein. Au revoir. Non, je voulais sauter. Rond pour sauter. Rond. Faut que j'oublie que c'est rond. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils fuient tous? J'ai pas sorti mon cure-dent pourtant. Ah peut-être, ouais. Les meilleurs articles de tout le livre. J'aime beaucoup tes lunettes. De pousser, il y en aura pour tout le monde. Non, non, en fait non, je vais garder mes lunettes. Pousser personne. Sauf. Et je vous enseignerai. J'aime faire affaire avec quelqu'un de bien éduqué. Laissez-moi jeter un œil. Allez, on va rendre ça. Pas du tout. Ouais, elles sont classe ces lunettes. Hein. Moi aussi j'aime bien. Adieu. Mais je préfère mes personnels là actuellement. Au moins avec ça, j'y vois que dalle. Que puis-je faire pour vous ? Enfin, je risque d'y voir que dalle. Quoi, le caméléon, mais c'est pas où est Zlatan. Zlatan, Voltan.
Ah bah, son bleu. Salut Jasquier, au revoir Jasquier. Bon, tu sautes là? Elles sont rondes et bleues. Tu vas comme ça, Verbi. Ça te va? Ton laissez-passer. Quel laissez-passer? Le genre qui garantit que t'es pas un mage. Impossible d'entrer à Novigrad ou d'en sortir sans ça. Pourquoi avoir fermé les portes de la ville? On l'a débarrassé des mages, sorcières et de toute la vermine qui y grouille depuis des années. Pas son ronde. On va les choper jusqu'au dernier et les jeter au bûcher, comme on fait d'un bétail malade. Je vais pas te laisser passer. Désolé, mais... je n'ai pas de laisser passer. Alors tu n'iras pas plus loin. Suivant. Attendez, comment en obtenir un? Commence par faire une offrande à l'église. Il trouve trois âmes pures qui se portent garantes. Laissez-le passer. Voici ses papiers. Quoi? Et comment ça se... C'est pas tes âmes. Oula! Retourne à ton poste. Bien le bonjour de Sigirodel. Oula là 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 là. Mais qu'est-ce qu'elle a encore foutu? Mais qu'est-ce que j'ai encore foutu? Oh non, mais j'ai encore fait des conneries. Ouais, un problème, mais perso. Oh là là. J'aurais pas pu appeler le poney, moi. Allez, non mais c'est un... Enfin oui, un problème, enfin oui. Oh là là. Bonjour, ça doit être toi. Je cherche Grégor. Vous l'avez trouvé. Qui êtes-vous? Geralt de Rive. C'est Dijkstra qui m'envoie. Je vois. Alors, suivez-moi. Charmant comme décoration. Ordre de notre miséricordieux souverain, le bon roi Radovid. Quel crime ont-ils commis? Sur la droite, c'est un chaman du village voisin. Il a donné un mauvais conseil de trop et quelqu'un l'a dénoncé. Un voisin avait une dent contre celui de gauche. Il l'a accusé de sorcellerie. Tout ce que je vois ici, c'est la nature humaine. Radovid n'est pour rien dans tout ça. Ah oui, vraiment. Et à votre avis, qui a décrété qu'il fallait pendre ces pauvres bougres pour les punir de ces crimes? Si vous méprisez tant Radovid, pourquoi continuer à le servir? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je suis Redanien, pas question de déserter. Quand je me suis engagé, Vizimir était encore sur le trône. C'est un bon roi, sage et juste.
Dovid, lui, ne pense qu'à faire la guerre. Si on le laisse faire, voilà à quoi ressemblera bientôt la Redania. Vous savez sûrement pourquoi je suis là. C'est à propos de notre ami cordonnier, j'imagine. Il est passé par ici, ouais. Mais il n'est jamais revenu. Hier, la patrouille a signalé un chariot abandonné près de la route. On serait bien allé y jeter un œil, mais on n'a pas pu m'éclipser. Merci. Je vais aller voir ça. Adieu. Attendez. Vous avez un laissez-passer ? Sans ça, vous pourrez pas revenir. Oui, j'en ai un. Parfait. Dans ce cas, bonne chance. Merci. À plus tard. Oh là là, mais en fait j'ai pas subi, je fais d'autres choses. Je réglais mon problème en parallèle, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, bref, continue. Trouver le chat du cordonnier. Et dans l'eau. Voilà, bah, sors. Viens là. En avant. Ah. Allez. Ah. Bah avance. Ah bah j'ai coincé le poney dans l'eau. Oh non, non, enfin, pour faire simple, il y a eu une vidéo qui a été publiée aujourd'hui à propos de des musiques qui vont sortir sur Dissidente. Et avec mon humour, c'est avec mon... Enfin, j'ai tendance à mal parler des fois. J'ai sorti qu'en fait ça donnait mal au crâne et que Square Enix en fait avait trouvé ses nouveaux joueurs. Ouais, nouvelle descente d'un cheval. Avait trouvé en fait ses nouveaux joueurs pour Dissidente dans un technoparade et, ou une rêve partie. Et du coup, en fait, ça lui a pas plu. Il a dit que ma réponse était abrutissante et du coup, bah voilà ce que j'ai foutu. Donc du coup, bah voilà, on m'avait un peu rien à foutre en fait de son avis sur ce côté-là. Mais juste un peu. Hein. Sacré vent. Mais si on n'avait pas le droit de donner son avis sur quelque chose, de, on va dire que, par exemple, pour les musiques des Dissidente, Yorel va pas vous dire le contraire, que, en fait, les musiques des Dissidente, elles ont tendance, en fait, à t'abrutir le crâne. Enfin, donc voilà ce qui s'est passé. Vraie gare, je t'aime toujours. Parce que même si tu pètes une vraie gare, Esbar, fais ta chemise.
C'était pas ça que je cherchais. Ah non, j'ai pas lu. Elle est là. Bon. Allez, enfin un feu de camp, on sauvegarde, non, c'est pas vrai. J'ai trop joué à Tomb Raider. Et encore. Mais elle est là. Ça doit pas être ça. Le chariot a l'air intact. Bizarre. Je devrais fouiller aux alentours. Je trouverai peut-être quelque chose. Des signes de lutte. Quelqu'un a été assommé ici. Puis traîné au sol. Ouais, c'est pas le moment là. Pas le moment de papoter. Oh, une botte. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Attends. Une chaussure. Toi, tes chaussures ? Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Il perd que des choses. Ah bah oui, les cordonniers. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. On n'a pas marre de perdre des chaussures. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, un pot à Bart. Bonjour. Nous sommes partis. Je suis choisi Rome. Tu vois ça ? Je me demandais juste comment ces chaussures avaient atterri ici. Je suis poussé ici. Comme Jean-Pi. Les chaussures ne poussent pas comme des champignons. Dis-moi la vérité. Hog pas dire. Sinon Hog et Pog colère. Hog et Pog, ce sont tes amis? Hog, Pog, grand trouveur. Trouvez hommes dans chariot. Beaucoup chaussures. Je vois. Et qu'ont-ils fait de cet homme? Hog, Pog, zone dans caverne. Là-bas. Vous l'avez mangé? Non, zone pas bon. Pas viande, plein d'os. Noir. Hog, fer, zone, chaussure, fer. Pour Hog, Pog et Rog. Tu as vraiment besoin de chaussures? Chaussures hommes, chaussures vouloir, Hog, Pog et Rog. Troll gros seigneur, comme hommes. Un troll qui met des chaussures? Au revoir. Il doit y avoir un troll des cavernes dans le coin. Non, je vais te laisser tranquille. On ne plus qu'il se mette le doigt dans le nez. Bah alors. Ah non, pas là. Bon. Oui, bah, je l'ai laissé en vie. Je l'ai pas tué, je l'ai laissé en vie. Tu es barbare.
Ah non, je pense qu'il doit être dans la caverne, le troll des cavernes. Partir ou jeter dans la zouplette. Dans la zouplette. Je suis un peu trop coriace, je crois. Dans la zouplette. Trop coriace, c'est vrai. Regardez-le. Ce bâtard n'a que la peau sur les os. Eh bien, mes amis trolls, il est temps pour moi de partir. Et entraînez-vous bien. Vous ferez passer un vrai examen à mon retour. Dans l'ordre, pas partir. Dollar, posé cul par terre. Dollar, connard, faire chaussure. Connard, faire chaussure, allez. Enchanté, vos amis. Bon, écoutez. Dollar doit venir avec moi. Dollar, pas bouger. Dollar, faire putain chaussure. J'ai besoin de lui. Dollar, restez. Toi, chaussure. Rogue, pas chaussure. Rogue, pas chaussure. Rogue, pas chaussure. Troll, chaussure. Dollar, au revoir. Du calme, du calme. Ça ne sera pas long. Dollar doit juste m'aider à trouver du cuir. Chaussures. Gérald, dis la vérité. J'ai besoin de cuir. Regardez vos pieds, bordel. Vous direz des putains de péniches. Il va me falloir une chier de cuir pour vous faire des chaussures. Pigez ? Moi et Gérald, on va aller chercher du cuir. Et ensuite, je reviendrai pour vous les fabriquer, drôle de merde. Troll merde, pour Pog, et pour Rogue. Et Og. Deux belles paires pour aller avec vos têtes de nœuds. Dollar, au revoir. Mais vite, reviens. Vous êtes de bons bougres, tout compte fait. Attendez-moi ici, ce sera pas long. Je sais pas, avec les trolls, les enfants à avoir des vols. Les enfants ne sont pas des trolls, mais inversement. De toute façon, les sorceleurs sont stériles. T'as pas changé à ce que je vois. Toujours le même bout en tout. Tu passais dans le coin ou on t'a envoyé à la restauration? Ils en font du bruit, ces trolls. Des trolls qui veulent des grolls. Ça me réchauffe le cœur. Ouais, parce que là j'aurais pu les tuer, mais je les ai laissés en vie. J'avais pas envie de les tuer. Au pire, ressemble à des péniches. Ok. Je les corde jusqu'à où?
Ça fait un bail. Quoi de neuf? Ces empaffés de Nilfgaard ont anéanti les services secrets témériens en une seule nuit. J'en suis tiré de peu. Après ça, j'ai noyé mon chagrin jusqu'à ce que mon foie crie au meurtre. Et maintenant, tu fais quoi? De la basse besogne. Je vadrouille dans le coin, j'observe, je laisse traîner mes oreilles, je pose des questions, je recrute. La vie n'est pas trop dure avec toi? Bah, je me sens un peu comme un doryphore. Je me fais discret, j'évite les emmerdes et je bouffe des patates. Porte-toi bien. Ouais, je reste toujours à l'affût, merci. Merci encore, Gérald. C'est vrai qu'ils sont pas méchants, ces trolls. Compte sur moi pour raconter à Roche et à Dijkstra comment t'as roulé Hogg et ses compères dans la farine. Je te parie qu'ils vont en chier dans leur fric. Tu veux bien m'expliquer comment tu es passé de receleur à cordonnier? Je fais dans le respectable. Receleur, c'était une couverture de merde. Je me suis foutu trop de monde à dos. Fallait faire profil bas. J'ai pensé à devenir aubergiste un moment. On rencontre pas mal de monde, on discute de tout et de rien. Le problème, c'est qu'on est enchaîné à son auberge comme un kleps à son piquet. Alors qu'un cordonnier, c'est toujours sur la route. Tout juste. Je suis pas peu fier de ma petite roulotte. Très coquet. Tu peux le dire. Et j'ai gagné une petite fortune depuis le début de la guerre. Ces crétins en uniforme passent leur temps à marcher. Et quand leurs bottes à la con commencent à tomber en lambeaux, ils ont les panards en sang. Tu peux me croire. Un soldat en campagne vendrait père et mère pour une bonne paire de bottes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment ça? Je vais rentrer à Novigrad, pardi. Dijkstra, Roche et moi, on a de grands projets. Tu ne veux vraiment pas m'en dire plus? Désolé mon pote, motus et bouche cousue. Si ça ne tenait qu'à moi, je te cracherai le morceau. Je sais qu'on peut te faire confiance. Mais je suis pas tout seul dans le coup, tu comprends? Alors je dois fermer ma gueule. Très bien, je comprends. Au revoir, Talar. Et bonne chance. Ouais, je vais en avoir... Talar! Mais il l'appelle Talar. Le vide est plus malin qu'une pute qui a la chaude pisse. Mais on finira bien par le trousser. Bientôt, tout le Nord parlera de comment le grand Radovid s'est fait défoncer le pouls. Oui. J'espère qu'il ne parlera pas de trois assassins tenaillés et écartelés. T'en fais pas pour nous, Gérald. On sait ce qu'on fait. Adieu. Il a l'air sûr de lui. Non. Alors, est-ce que j'ai d'autres quêtes à venir ici? Je suis niveau 18 pour la sketch, mais on va attendre. Velen, le multiple. Ok. Novigrad. Ça risque d'être un petit peu compliqué, j'ai pas trop de niveau. Stop Jean. Voilà. Ah oui, il s'appelle Talar. Oui. Ouais, c'est comme il voulait dire cordonnier, ils l'ont appelé connard. Hein. C'est un peu le même principe. Hein. Un cordonnier qui s'appelle un cordonnier qu'on appelle connard. Cœur du monde. «
Ah bah oui, bah autant y aller. Autant y aller par là. Voilà. Doucement. Aussi, oui. Pardon, pardon, mais... Oh, c'était pas sur le pont. Prends toute la place. Connard, non, 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 c'est tout là, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Aller devant la maison hantée. Oh, sur le carte là. Des bisous YouTube.